Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve parce que j'ai plein de courriers à ouvrir. Je suis très très en retard. Je m'excuse par avance. Voilà, à celles qui j'ai reçu. Mais je n'ai pas eu le temps. Voilà, je pourrais vous baratiner en vous disant que j'ai eu du boulot. C'est vrai que j'ai eu. que j'ai eu. Mon bilan comptable que j'ai terminé. Et c'est vrai, je ne vous mentirai pas. Et puis, voilà. Et la famille et tout ça et tout ça. Le premier colis que j'ouvre, alors j'en ouvrir trois tout de suite là, parce que les autres, il faut que je les fasse absolument dans la semaine. C'est un envoi que j'ai reçu de Cathy, Cathy Scrap et Couture, qui m'a préparé un petit envoi pour mon anniversaire. Et puis, voilà, elle était un petit peu en retard. Elle s'en est vraiment bien, bien excusée. Ben, écoute, moi, ça fait 10 jours que j'ai ton paquet. Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir. Et ce n'est pas normal. Mais voilà, je te prie de m'excuser, Cathy. Accepte, s'il te plaît, mes excuses. Voilà, c'est très joli, ce petit embossage, ce petit colibri. Pour ta peine, on se verra au mois de juin, j'espère, bien évidemment. Voilà, mon anniversaire, il est un peu loin, vous le savez, mais ce n'est pas grave. Voilà, dis, c'est avec beaucoup de retard que je t'envoie ce que je t'avais confectionné pour toi. Mais voilà, ne t'excuse pas pour ton retard, parce que moi, ça fait déjà au moins 10 jours que j'ai ton envoi, et je ne l'ai encore pas ouvert. Alors, qu'est-ce que tu m'as confectionné? Alors, Cathy Scrap et Couture, comme son nom l'indique. Waouh, c'est très joli. Ah, c'est super joli, j'adore. Un vrai talent de couturière. Waouh. On va enlever toutes les petites choses qu'il y a dedans. Mais, c'est super sympa. C'est super sympa. Et du coup, vraiment, franchement, hop, il y a encore un petit chose. Waouh, c'est très joli. Donc, je vais pouvoir mettre une petite bandoulière. Eh bien, écoute, c'est formidable. Alors, moi, j'ai plein de petites pochettes comme ça. Je les use, hein, puisque pour travailler, je les mets, hop, en petite bandoulière. Et ça me permet d'avoir vraiment très peu de choses dessus. Et moi, je pense que c'est toi qui l'as faite, hein, que tu avais confectionné pour moi, voilà. C'est trop joli, franchement. C'est très, très joli. Eh bien, vraiment, regardez-moi ce talent. Trop beau. On met une petite chaînette ou une bandoulière. Franchement, c'est vraiment super chouette. Ah ben, je comprends que tu aies mis du temps à le faire. Hein. Puis tu l'as rudement bien piqué. Vraiment, on voit que c'est fait par une vraie professionnelle. Hein. Alors moi, je fais un peu de couture. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Parce qu'avec ma mère, faisait beaucoup de couture. Mais alors toi, les points sont parfaits. Les surpiqûres. Trop, trop beau. Trop, trop joli. Vraiment. Ah ouais, super joli. Superbe. Merci Cathy, c'est vraiment trop 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 gentil. Hein. Trop. C'est vraiment, voilà, c'est beaucoup de temps. Puis c'est vraiment, on voit, la finition est parfaite. Trop trop bien. Un petit dies avec des petits... un ensemble, je ne sais pas s'ils sont non attachés ou c'est tout petits. Des petits dies, oui, ils doivent être séparés avec des petites étiquettes qu'on peut accrocher justement. Des petits tamponnages, clic-clac. Ah ben, elle m'a même envoyé. Il n'est jamais trop tard pour te souhaiter une bonne année. Une très jolie petite carte. Ah oui, j'ai vu pas mal sur Instagram avec de l'aquarelle et puis avec. C'est très joli. Et c'est vrai, tu as raison, entièrement raison. Il n'est jamais trop tard pour se souhaiter un bon anniversaire et une bonne année. Et elle m'a mis plein de tamponnages. Trop gentil. Voilà, Cathy fait partie des gens que j'ai rencontrés l'année dernière, qu'on s'est vu en vrai à comment à Chambéry, et c'était super sympa. Et donc j'espère que cette année, moi, je viens. J'ai dit, faut vraiment qu'il y ait, voilà, je ne sais pas, je viens et on va pouvoir passer du temps. On va peut-être pouvoir même manger ensemble. Hein, je te rappellerai, Cathy. Voilà, manger ensemble. Chouette, des petites étiquettes de chez Graffiti Girl. Alors moi, je suis pas très riche chez Graffiti Girl parce que, voilà, je fais partie et je trouve que c'est très très joli, mais on peut pas tout acheter, malheureusement. Moi, j'adore aussi, je vous le dis à chaque fois, j'adore les socailles, j'adore... Il y a plein de choses que j'adore, mais... ben... Pff,
Si on achète toutes les marques, en fait, on n'a pas les moyens. Enfin, en tout cas, moi, j'ai déjà un budget très joli, ces petits sacs. Aussi. Trop chouette. J'adore. Ah ouais, c'est joli comme tout. J'ai déjà un joli budget scrap hein, par mois. Hein, mais du coup, c'est vrai que... Ah, c'est trop chouette. Je me demande si c'est pas celui que je me suis acheté en dernier ou pas. Mince, je sais plus. Tu sais, quand on avait fait l'atelier à Chambéry, je m'en suis acheté un comme ça avec des petits ronds. Alors, je sais pas si c'est celui-là ou pas. Je regarderai. Ou c'est... Je crois pas, parce que je l'aurais pas eu, je l'aurais utilisé depuis le temps. Trop chouette. Des pochoirs avec des petites étoiles. Très chouette. Je l'ai pas, bien évidemment. Ça, et des petites fleurs. Toujours sympa. Des petites fleurs trop jolies. Vraiment super sympa. Merci Cathy vraiment de ta gentillesse, mais de tous ces cadeaux. Vraiment trop trop chouette. Et ta petite sacoche est vraiment super sympa. Voilà, vraiment. Je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour mon boulot. Moi j'ai plein de petites trousses comme ça. Parce que c'est vrai que quand je fais qu'une une injection à des patients, j'emmène pas ma grosse trousse. Hein, j'emmène une petite pochette souvent. Avec juste du désinfectant, du manugel et du coton. Au lieu de prendre ma grosse sacoche. Donc, c'est vrai que j'en utilise beaucoup, des petites sacoches comme ça. Puis, j'en ai une aussi où j'ai les gros trousseaux de clés de mes patients. Trop joli. Merci. Tes deux cartes sont magnifiques. Tes cadeaux sont superbes. Merci, Cathy. Franchement, c'est trop, trop sympa. Trop, trop joli. Je te remercie sincèrement du fond du cœur. Martine aussi qui m'a envoyé depuis... une éternité son envoi et que je n'avais pas eu encore le temps d'ouvrir. Non mais franchement, elle m'a envoyé, elle m'a fait un magnifique tamponnage. Très très joli. Alors, je vais mettre sur le côté les affaires de Cathy. Enfin, les affaires de Cathy, les miennes, et je vais sortir les affaires de Martine qui comptait me voir, qui comptait qu'on se... Ah, vous allez comprendre tout de suite. Oh, elle comptait qu'on se voit à Nîmes, et puis du coup, en fin de compte, j'ai pas pu venir, ça faisait trop loin, j'avais eu que 2 jours de congé. Et du coup, elle nous avait préparé un petit cadeau pour Nîmes. Et que, ben, du coup, que, comme j'y suis pas allée, elle m'a dit, ben, je te l'envoie. Et ça, c'est super sympa. Voilà, qui t'est destiné au salon de Nîmes cette année. Ne cherche pas une carte d'accompagnement. J'aime pas trop en faire. Ben, cette grande carte, là. Cette grande création, c'est un peu une carte, hein. Et du coup, elle m'a dit, bah, je vais t'envoyer ton colis comme tu n'es pas venu à Nîmes. Hein. Voilà, ça faisait vraiment trop, pas assez d'espace, de temps. Très joli. Il va falloir que je fasse des petites photos quand même, parce que les gentillesses, ce que vous m'envoyez, c'est très joli. Regardez un petit coin. Camille. Il y a un joli flocon avec un joli nœud. Ça, c'est... ça brille. Ça brille de toutes parts. Il y a de l'or hein, dedans. C'est très joli. Regardez. Waouh, c'est un ensemble avec plein de jolies choses. J'adore. Après, ça fait vraiment... C'est des coups de pinceau, hein, mais le choix des couleurs fait que ça rend un truc super sympa. Et à l'intérieur, elle m'a mis plein de tags. Plein de tags. Hop. Postcard. Oui, c'était voilà quelque chose qu'elle voulait me donner parce qu'on avait dit, c'est pas la peine, on se verra pas. Puis... on se verra à Nîmes, on pourra se faire, voilà, s'échanger les petits cadeaux à Nîmes. Et puis du coup, voilà. Des magnifiques tags. Un Halloween, un avec un petit personnage. Hop. Là encore, un petit tag avec un petit... comment ça s'appelle? Ouais, vous avez retenu le nom, hein, moi je ne me rappelle pas. Soldats là. Là, il y a des petites coccinelles qui sont embossées. C'est super joli. Très joli. Hein. Le choix des trucs, des matières et tout ça. Hein. C'est vrai que Martine, elle fait plein de choses. Hein.
Elle a du temps, Martine. Elle fait toujours plein, plein, plein de belles créas. Vous pouvez la suivre, hein, Martine Iso, hein, sur... Oups. Vous pouvez la suivre. Alors, je sais pas, c'était collé ou pas? Ah, tu avais fait des petites ATC. Alors, avec un cœur. Il est très joli. Et ça, je sais pas, cœur de la nature. Je sais pas s'il était collé. Non, peut-être pas. Une petite ATC. Avec un cachet de cire en forme de cœur. Très joli. Toujours beaucoup d'imagination, Martine. Vraiment beaucoup de créativité. Et tu as une production. Alors, moi, on dit que je fais beaucoup. Mais alors, toi, tu en fais aussi beaucoup. Voilà, regardez. Et puis, avec ce petit coin, avec ce petit bonhomme de neige. C'est trop mignon. Trop sympa. Hop. Voilà. Trop, trop, trop joli. Et puis, en plus, il n'y a pas que ça. Hein, parce que... Il y a une magnifique carte, regardez comme c'est super, avec une magnifique poupette, et puis une bande dessinée derrière, de la pâte de structure, très très jolie. Un gros cœur, très très beau, je sais pas, création Saint-Valentin, avec un énorme cœur, très très joli. Et puis elle a fait des badges, puisqu'elle s'est acheté une machine à badge, hein, voilà, des gros, elle peut faire plusieurs tailles, je pense, parce que moi, j'en fais des comme ça, un peu plus gros, peut-être. Et là, ils sont immenses, avec du tissu, voilà. C'est vraiment très, très joli, hein, et puis on peut mettre sur plein de créations. Et là, on a fait un sur Japon, hein, une avec une grosse marguerite, et celui-là sur Halloween, trop joli. Ah, machine à badge, hein, c'est quand même super sympa. Ça, tu m'as mis du petit papier avec des petits chats. Trop mignon. J'arrive pas à enlever celui qui est dessous. Hop. Voilà. Il est épais celui-là ou c'est... Il est peut-être épais, je sais pas. J'avais l'impression qu'il y en avait deux. Non, mais peut-être pas. Trop, trop sympa. Et puis, trois athéciens ensemble, pareil. Oh, mais il y en a une production, c'est impressionnant. Puis alors, elle adore la patouille, mais je trouve ça super joli. Une petite souris, ça c'est des Holland Creat. Ça aussi, hein, c'est l'araignée de Holland Creat. Trop mignon. Trop, trop sympa, vraiment. Sourisette. Mes personnages préférés, insectes, et l'autre c'est Sourisette. Trop joli. Eh bien, écoute, merci Martine. Franchement, c'est super sympa. Ces badges sont magnifiques. Je les utiliserai pour une créa. C'est trop, trop chouette. C'est vrai que... moi, je dois en faire pour ma maman, en fait. Faut pas que... Je sais pas où j'ai mis le papier. Ah. Pour ses copines. Je dois leur faire des badges. Je sais pas où j'ai mis le papier. Avec les prénoms des copines à ma mère. De son club de tricot, je sais pas quoi. Il faut que je retrouve ça, d'ailleurs. Faut que absolument que je m'en occupe. Le temps passe à une vitesse. On n'a pas le temps de tout faire, de tout, de tout, de tout faire. Merci Martine, c'est super sympa. Vraiment, vraiment, je te remercie. Et puis, j'ai reçu le courrier de Pam, Pamela, de 5 et sa maison, hein, où on a fait Art Book Région. Et donc, elle m'a envoyé plein de choses en échange. Elle m'a aussi... Oh là là, mais il ne faut pas me donner tout ça. Ça fait, faut pas me donner tout ça. En réponse, elle avait dit juste un artbook. Hein, il faut pas... si toi-même, tu respectes pas tes consignes, moi, je t'avais envoyé plein de choses, ça me faisait plaisir. Des petites fleurs de chez Action que j'adore. Hop, regardez. Je m'en servirai pour la colis. Voilà, et puis avec son artbook... Ah ben, elle m'en a même fait deux. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Cathy Scrap et Couture. Martine Iso, vous l'avez sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez la suivre, elle fait des machines magnifiques trucs. Et puis là, c'est donc les Artbook Région que Pamela alors m'a envoyé.
Et avec un joli proverbe, ce que l'on garde pour soi pourrit, ce que l'on donne fleurit. Et c'est tout à fait vrai. Et celui-là, oui, c'est le même. Voilà, hein? Moi j'en avais fait un sur la Haute-Savoie. Trop sympa. Et elle a fait sur l'Ariège, puisqu'elle est. Elle habite en Ariège maintenant. C'est trop sympa. Merci, Pamela. Il n'y avait pas besoin d'envoyer tout ça. Il y a encore des petites fleurs. Il y a une petite pince avec une petite fleur là. Hop, une petite carte. Tu vois, je t'ai mis une petite carte, moi. Merci, Pamela. Voilà. Trop joli. Hop, 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 hop. Et puis après, plein de petites choses, des petites étiquettes. Il y a une magnifique petite, des petites coccinelles là. Des petites. Ah oui, regardez. Trop mignonnes. Ces petites abeilles, il n'y a pas des coccinelles, mais des petites abeilles. Elles sont trop jolies. Des petites fleurs, une petite pince fleur, des petites fleurs, ça toujours utile. Du petit thé, ça c'est super sympa. Alors, c'est mes collègues qui adorent, enfin mes collègues du scrap, parce que. Comme vous m'en avez envoyé beaucoup à un moment, et puis que j'en ai eu beaucoup et tout ça, du coup j'en emmène quand je fais du scrap, du thé. Et ben là, écoute Pamela, je vais emmener ton petit thé pour la prochaine fois qu'on fait du scrap, hein, et les copinettes seront toutes contentes. Le Twix, ça c'est trop trop gentil, je vais le mettre de côté. Et puis elle m'a fait un petit bloc notes, vous voyez, regardez, avec du papier, recyclage de papier. Pour prendre des petites notes, écrire des petites choses. Ben ça, c'est super sympa, c'est hyper facile à faire. Et voilà, c'est utile. Et c'est bien, des petites lignes, du papier blanc. Voilà, ça, c'est super sympa, vraiment super sympa. Et puis, l'un dedans. Ah, la petite fleur, elle était peut-être collée là, non? Ouais, je pense qu'il y avait. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Un crayon. J'ai peur de l'abîmer. Oh! Ah! Oh, c'est un joli. Ah oui, mais je t'ai vu. Tu l'as fait sur ta chaîne, non? C'est des crayons. Regardez, elle enfile sur un crayon, un crayon, à l'intérieur d'un crayon. Et puis elle met des perles dessus. Et c'est super joli. Je crois que tu l'as fait sur ta chaîne, non? Il me semble que tu as montré. Ah, ça, je trouve ça super sympa. Vous voyez? C'est très très joli. Bah vraiment, écoutez, aujourd'hui, je suis vraiment hyper, hyper gâtée. Vraiment, vraiment. Merci Pamela. Merci Cathy. Vraiment, c'est super sympa. Et puis, je vais ouvrir les autres colis après. Pas ce soir, parce que là, je ne vous cache pas qu'on est le soir et que je vais aller me coucher. Mais voilà, il fallait vraiment que je le fasse, hein, toutes les trois au moins. Parce que j'ai reçu vraiment des trop 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 belles choses. Et puis depuis le temps, c'est pas sérieux quoi de. C'est pas sérieux d'attendre autant de temps pour ouvrir les merveilles que l'on vous offre. Enfin là, moi je parle de moi. Donc si les merveilles que l'on m'offre, c'est quand même pas normal d'attendre autant. Voilà. Donc je m'excuse encore. Je vous fais plein plein de gros bisous. J'espère que vous allez apprécier vous aussi d'avoir regardé ces magnifiques trésors. Ça vous donne des idées si vous avez envie de faire plaisir à des gens. Mais c'est vraiment magnifique, hein. Vraiment, franchement, trop trop gentil, trop gâté. Allez, je vous embrasse. Bonne journée, les scrappeurs et les scrappeuses. Et puis à bientôt. Bisous bisous.